Mais quelle mobilisation! Nous, nos femmes n'ont pas fini de dormir pour se réveiller à 10 heures, n'en parlons même pas se lever vers 2 heures du matin pour préparer pour des enfants. Subhanallah. Non, moi je n'ai jamais vu ça. Néna lilal, néna lu tumuranke la ci mom ndax néna mom day fa lam xam fam bayiko moy da nga gis jigen meuna teud ba fukki waxtu sax jog lolou jog teko néna nak néna motax li mu gis fi néna sorel ci mom yem nako lolou fu yem meuna ag. Donc de cela je sais que nous les Moussi avons dit ce qui reste dans le sac de pas ce qu'on a enlevé. Je sais qu'un jour, ce que je veux, j'aimerais que vous préparez effectivement un beau jour pour que je puisse venir. Nous allons parler de quelque chose, toujours de ce chèque-là, au sein même de la ville de Dakar, Nena, dans une salle de conférence. Nena, moi aussi, de mon Mohamed Moïti, Askano Bok, Nani Wakne, Nena, Absade. Boko dindé ba touti dess néna la ca joggé mo upp fouf la nga xamné mo ca dess motax néna li ab tambalé rek la néna bëgg nañu def ko benen liggéey bu yaatu bo xamné waxtaan lay doon conférence bo lay doon bo xamné dañ koy def bëli ci Dakar nga xamné day doon liggéey bu yaatu néna lool moy yéné. Je vais vous dire quelque chose. Moi je refuse un principe. Il y a un principe ici, moi je le refuse. Le principe là c'est quoi? C'est petit à petit, il s'agit de quel principe? Et Touba, on a dit une ville sainte. Le cheikh n'a pas, le cheikh Ahmadou Bamba, il n'a pas nommé une ville touristique. C'est différent. Une ville sainte n'est pas une ville touristique. Ce n'est pas réservé aux touristes. Qu'elle est venue visiter, aller raconter. Ce n'est pas comme ça. C'est un puits qui est creusé. Hein? Et il a dit que c'est l'arbre. Voir. Des assoiffés. Des assoiffés. C'est comme ça qu'il a dit. Ceux qui ont soif, ça veut dire ceux qui se trouvent dans les ténèbres, dans l'obscurité, ils n'ont qu'à venir voir, ils n'ont qu'à venir boire, effectivement, puiser cette eau-là. Boire. Hein? Et aller chez toi. Suivre, accepter les enseignements du chef. Ce n'est pas venir observer, aller raconter et tu es chez toi. Jamais. Nena, je vous dis que jamais. Ce n'est pas une ville touristique, mais c'est une ville sainte. Nena de, faut refuser beaucoup de principes. Nena amna lo xamné setlu nako batay ci bir li nga xamné mom la gis. Nena dekk bi mom dekk buñu wara ñew ngir jarriño si la ndax serigne bi ci bopam dañu wax né mom moy rotu kay way mari. Néna du barab bo xamni niñi défé tourisme nga xam da ngay dem ci dëkk ngir xol ci sétan ak yému néna lolu bokul ak Touba taxaway bobu la taxaw néna ku fi ñew dafa melni téen bu nu gas bo xamni bo ñewé da nga wara ñew naan ba mandi la nga fi jëlé nga dem tassat ko fa nga xam fa nga bayiko waye dëkk bo xamné dañuy ñew di sétan lolu tam néna luñu wara bañ ci dëkk bi la ku ñew da nga wara jëriñu bo délo jëriñ nga xamni ñom nga wara fekk. Donc en ce moment il faut tout faire, je vous dis. Il faut garder le vrai visage de l'islam. Je prends un exemple. La lumière que vous voyez, est-ce que la lumière a été créée en Afrique ici? Non. Ça a été quoi? Ça a été importé. Nous, les Africains, petit à petit, nous sommes partis voir la lumière. Et nous avons, ça là c'est bien. Si on prend ça, amener chez nous, c'est bien. C'est comme ça que c'est venu. Toute personne qui vient à Touba, entendant par exemple le nom du grand cheikh là, la personne vient observer ces réels-là, que la personne soit avec les enseignements du chef. Si c'est réel, c'est comme ça, ou bien? Si c'est réel, c'est comme ça. Ce ne sont pas les enseignements du chef ne sont pas des objets, par exemple, pour les touristes. Ce n'est pas fait pour les touristes. C'est pour venir puiser, accepter et suivre. Pour pouvoir voir la face lumineuse au jour de la résurrection. C'est ça le chef Ahmadou Bamba. Pourquoi il a refusé tout enseignement du colon? Pourquoi il a été emprisonné? Parce qu'il a refusé ce qui est faux. Parce que le Coran a dit que quoi? Kon kenn ku ci ne
warna def farlu go xamni farlu gu mat seuk la ci li nga xamni mo jëm ci kanam ndax serigne bi mom jëmbat na fi lo xamni li nga xamni mo ci sunu walu moy sam lolu ba li nga xamni mom la fi serigne bi bayyi dara duko meuna soppi ndax neena deug mom fu mu taxawé rek fel day daade daw kon ci deug gog lañu wara moy ci lañu wara nek kon neena lolu moy li nga xamni mom lay fatali wat diko bayyi lo xel ci ñepp ndax neena deug bi kat mu bantu wat ne du deug bo xamni luñuy ñëw di sétal la ngir ay touriste waye dañoo wara ñëw ngir namp fi melokan yu mel ko ba paré jotali ko ñinga xamné moy ñen yi fekk ci donc il ne faut pas par exemple que quelqu'un vienne vous détourner vous contourner vous flatter vous faire dévier non il faut que vous maîtrisez et suivez et conservez tout ce que le chef a laissé faites beaucoup attention à travers, par exemple, votre descendance, à travers partout dans le monde entier. Et n'oubliez pas encore, il faut tout faire. Pendant le doua que le cheikh a fait à notre colonel, sauf Dieu seul qui peut le comprendre. Et je vous demande de continuer à lui faire doua. Quand il est arrivé ici, il y a beaucoup de personnes qui viennent sur le cheikh. Et ces gens sont là en train de dire, il faut lui dire qu'il n'a qu'à, par exemple, faire que je gagne de l'argent, que je gagne, par exemple, la chefferie, la royauté, tas de trucs comme ça. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a ouvert sa bouche, hein, prononcer ce que le colonel a dit au chef là. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est pour dire que réellement, c'est la chair du chef Ahmadou Bamba comme ça. Si vous le niez, vous l'avez nié. Il a dit au chef hier, il a dit au cheikh Atou, il faut dire au cheikh qu'il n'a qu'à demander à Dieu que Dieu puisse augmenter ma foi. Voilà ce qu'il a dit. Néna dal liko ñor bu bëggoon ko fatali wat rek moy dal nañu dogu ci li nga xamne mom lañu nekk ba dara duñu fefeti. Mu delu ci wat ci ki nga xamne mom la andal muy colonel bi néna degg na ko mu ñaan serigne bi lo xamni bam ko xamé watay musta degg mu ñaan ko ñaan du mel ndax néna ñaan gi wessuul ne serigne bi nako dimbalé ba yok ngeumum ci li nga xam mom la nek néna bam ko xamé batay musta dégg mu tudd lu mel nonu ñaan ko serigne bi c'est parce que il a fait ces deux jours oui c'est deux jours seulement qu'on a fait ici déjà il a observé quelque chose et il a vu la réalité c'est il a demandé au chef demande à ton seigneur là la foi pour moi. C'est parce que c'est un problème de foi. Est-ce que vous qui êtes là, combien de climatiseurs vous pouvez par exemple mettre au niveau du chèque là? Ce sont des milliers de climatiseurs. Mais le chèque, il est là assis, sa sueur coule. Subhanallah al-Azim. Sa sueur coule. Ça veut dire qu'il s'est donné effectivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis que ce chèque, wa néna de li nga xamné mom la colonel bi ñaan serigne bi néna de ñaari fan rek la def ak la ñew Touba gis li ñaan ko fi té néna xamna ni ñaan gu xol la ndax lepp walu ngëm rek la néna ñaan gi ko ñaan mënu ko fété kaw ndax limu ñaan serigne bi moy mu yok ngëm ndax xamné ni boko topé ba ci biir lepp walu ngëm rek la